Hey, what's up les potes? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du patch 2.4.0.3. Alors pour ceux qui étaient en train de jouer à Destiny à 19h, vous avez pu voir qu'il fallait relancer le jeu et qu'un patch a été téléchargé. C'est un patch qui est vraiment pas lourd du tout, mais il va modifier quelques bugs et également changer 2-3 choses sur le jeu, notamment au niveau des offrandes. Alors c'est parti, dans un premier temps, je vais vous parler des assauts. Et ça, j'en avais également parlé sur Twitter, je vous avais dit les gars, de ne pas faire l'assaut de Fogo et de ne pas faire l'assaut du prêtre Archonte s'il n'est pas corrompu, parce qu'on loot en fait du 240, je sais pas si vous vous en souvenez. Et bien ça y est, ça a été modifié, ils ont corrigé le bug. Donc désormais dans les assauts de l'abomination détournée dans l'enclos de l'hiver, vous looterez des équipements en rapport avec votre niveau de lumière. Donc ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui veulent encore monter en lumière. Il y a également un bug qui a été corrigé, en fait il y avait l'assaut, la chambre de l'écho qui apparaissait dans la mauvaise playlist d'assaut. Et enfin Omnigul, alors là vraiment grosse correction au niveau d'Omnigul, c'est fini, ça ne sert plus à rien de farm Omnigul, maintenant on loot uniquement en la tuant à la fin de l'assaut. Et également Omnigul ne lâchera plus qu'une seule récompense. Donc franchement là ils ont fait un gros patch, voilà c'est vrai qu'Omnigul ça faisait longtemps qu'on l'a farmé, même en année 2 avec l'étreinte de Malok. Et du coup c'est fini, ça sert plus à rien de la farmer, voilà maintenant il vous aurez uniquement les loots en la tuant à la fin. Au niveau de la forge de l'Archonte, alors là grosse modification notamment au niveau des offrandes, et ça franchement c'est plutôt pas mal. Alors déjà vous avez plus de chances de looter des offrandes une fois que vous avez terminé une forge de l'Archonte. Et deuxième chose, pour récupérer des offrandes beaucoup plus régulièrement, il faudra faire désormais les missions de patrouille de quarantaine. Alors c'est les missions de patrouille avec le logo de l'Araya. Et en fait une fois que vous tuerez le capitaine qui apparaît dans la deuxième partie de la mission, c'est à dire une fois que vous avez récupéré la hache tout à la fin, il y a un capitaine supérieur qui spawn. Une fois que vous aurez tué ce capitaine, il vous lootera systématiquement une offrande. Et ça franchement c'est vraiment pas mal, surtout avec les contrats des seigneurs de fer qui ont un rapport chaque semaine pour la plupart avec la forge de l'Archonte. Et du coup ça franchement c'est du lourd, on sait désormais maintenant comment récupérer des offrandes beaucoup plus facilement. Également il y a eu la correction d'un bug. Alors pour ceux qui faisaient en fait tout simplement la quête du Jalorn qui s'appelle la beauté de la destruction, ils ne recevaient pas le Jalorn à la fin de la quête, franchement c'était un gros bug. Voilà, t'étais dégoûté quand ça t'arrivait, et ça y est, ça a été corrigé, donc ça, franchement, c'est vraiment pas mal. Et également, correction d'un problème où les boosts d'estime de l'avant-garde ne fonctionnaient pas dans la playlist d'assaut de l'Aria. Et voilà, ça a été également corrigé. C'est tout donc pour ce patch 2.4.0.3. Franchement, ça fait super plaisir au niveau des offrandes, surtout. Maintenant, voilà, on pourra farmer, on pourra se rendre directement en escouade et être vraiment blindé au niveau des offrandes. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que ce patch vous plaît également les potes. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss !